Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est tout le monde, c'est Mospita, et vous avez déjà entendu la voix, vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc aujourd'hui, je vais juste vous présenter comment est-ce que ça se présente, les bourses en ce qui concerne la loi du gouvernement canadien pour pouvoir donner des exemptions aux étudiants étrangers qui veulent aller étudier là-bas au Canada. Voilà, parce que c'est le moment de faire les admissions, c'est le moment de chercher à avoir des admissions dans des universités, parce que la bourse va prendre effet en septembre 2023. Voilà, donc ceux qui sont vraiment intéressés, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me posent des questions, mais nous on ne voit pas de bourse, on ne voit pas de messages et tout ça. Donc aujourd'hui je vais essayer comme ça de vous montrer un peu comment ça se passe. Parce que parfois, lorsque vous allez postuler dans un cégep comme ça ou bien dans une université, voilà, c'est écrit directement sur la plateforme de l'université. Donc, comme il y a plusieurs personnes qui ne retrouvent pas vraiment ces éléments-là, alors aujourd'hui, je vais essayer comme ça de vous montrer un peu comment ça se passe et puis où est-ce que vous devez voir ces éléments et puis comment les postuler. Donc, je vais faire une vidéo qui est assez brève. Voilà, ici, comme ça, j'ai choisi le cégep et je vous recommande aussi ce cégep-là parce que c'est vrai. C'est un peu cher, voilà, mais vous n'êtes pas là pour savoir si c'est cher ou pas, vous êtes là pour postuler à une admission et postuler à la bourse. Voilà, donc ici par exemple c'est un cégep de quoi, de Thetford. Donc sachez déjà que je vous ai déjà dit dans les vidéos précédentes que les cégeps francophones, il y a au moins 43 ou bien au total il y a 48, mais il y a seulement que 5 cégeps qui sont anglophones. Vous comprenez un peu, donc ça veut dire que le reste des cégeps c'est francophone, alors vous avez assez de chances de postuler dans un cégep là. Voilà, donc on va essayer de commencer, on va essayer de voir le programme de ce cégep là. Si je viens ici par exemple programme, vous allez voir un peu que il y a des programmes pré-universitaires, voilà, sciences et tout ça, et il y a des programmes techniques. Vous voyez un peu pour ceux qui veulent faire vraiment de la maintenance, pour ceux qui font de la mécanique, l'électricité et tout ça, donc vous pouvez déjà postuler ici. Et il y a aussi les tremplins de quoi, du diplôme d'études collégiales. Voilà, ça aussi c'est très important pour ceux qui veulent postuler. C'est comme un BTS par exemple, comme ça. Voilà, mais ici vous pouvez postuler à ça, ou bien ça peut représenter comme ça un titre de bac. Vous comprenez un peu pour aller à l'université. Vous voyez maintenant. Si par exemple vous avez vous êtes en première ou bien vous voulez postuler pour un 2EC par exemple en terminale au Canada, vous pouvez aussi utiliser ça. Ça peut être aussi un 2EC en ce qui concerne le BTS, vous comprenez un peu. Voilà, ça va dépendre de la faculté que vous allez choisir. Donc ici, si par exemple nous, ce qui nous intéresse c'est quoi, c'est de comme ça essayer de postuler en tant qu'étudiant étranger. Donc ici, si vous cliquez sur futur étudiant, vous allez venir là où vous allez voir un peu les éléments. Ça c'est futur étudiant, c'est un peu plus vague. Vous voyez un peu, il y a les étudiants canadiens et les étudiants français. Vous savez déjà que à cause de leur histoire de Schengen, voilà, ils sont un peu liés un peu partout. Donc ce qui fait que eux, ils ne payent pas vraiment de scolarité. Voilà, maintenant ici ils peuvent faire des prêts et bourses du gouvernement, mais vous c'est pas comme ça. Pour en ce qui concerne les étudiants étrangers, bien sûr, c'est pas comme ça. Et ici aussi, vous pouvez déjà commander. Une fois que vous avez obtenu l'admission et tout ça, vous pouvez déjà réserver votre dans cette université là. Vous pouvez déjà réserver des résidences. Vous voyez un peu. Voilà. Si ils cliquent sur résidence par exemple, vous allez voir un peu leur résidence. Ils ont résidence dans ces ces universités là. Et puis ils ont des résidences hors campus. Vous comprenez, donc ça sera à vous maintenant de fois de choisir et de réserver. Ici comme ça, je crois que si on vient là, vous allez voir comme ça, vous pouvez faire des réservations. Je vais vous montrer un peu avant d'aller sur les types de. Donc si je viens là, vous voyez ici, ils disent veuillez noter que les résidences sont à pleine capacité pour la saison d'hiver. C'est normal, la saison d'hiver c'est déjà terminé. Parce que la saison d'hiver, ceux qui ont postulé déjà, vous avez trois priorités, vous avez trois sessions pour pouvoir postuler au Canada. Il y a d'abord l'hiver, après ça il y a été, il y a automne. Automne c'est septembre, c'est l'automne qui est recommandé vraiment pour les étudiants étrangers. Mais si les étudiants veulent postuler pour l'été, c'est possible. L'été ça c'est entre mai, et pour l'hiver c'est la session qui commence en janvier. Pour l'été ça commence par exemple en mai, et pour septembre c'est ça qui est l'automne que tout le monde connaît. Vous voyez un peu. Voilà, donc ici vous pouvez déjà réserver, mais
La date limite en ce qui concerne l'hiver, c'était déjà passé, c'était le 1er novembre. Voilà. Et pour l'été et automne, l'été, je crois, c'est en décembre. Et puis l'automne, ce sera en janvier ou février. Voilà. Donc, c'est à vous maintenant de pouvoir postuler à ce qui vous arrange. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, je vais venir rapidement sur international pour ne pas perdre assez de temps. Donc, ici, par exemple, ça, c'est pour les étudiants internationaux. Donc, si vous voulez faire, par exemple, l'admission et l'immigration, c'est ici. Donc, vous allez cliquer là, admission, immigration, et vous allez voir un peu de quoi vous avez besoin vraiment pour pouvoir postuler à votre admission, pour pouvoir aller étudier chez eux. Voilà, donc vous savez déjà que pour pouvoir postuler à ces éléments de cégep au Canada, il y a des structures qui gèrent cela. Vous voyez comme en France, si vous voulez postuler par exemple dans une université en France, vous allez passer par quoi? Par Campus France, vous voyez un peu. Voilà, les cégeps aussi c'est comme ça. Il y a les cégeps, vous allez passer par SRAM ou bien vous allez passer par, vous voyez ici, SRAC. Donc, il y a plusieurs types de... C'est pas comme en France où c'est seulement Campus France, mais ici où il y a SRAM, il y a SRANC, il y a un autre. Voilà, donc en tout cas, lorsque vous allez sélectionner le cégep, l'élément ou bien la structure où on vous demande de faire part ou bien de passer par cette structure là pour pouvoir postuler ou passer, c'est tout quoi, vous n'avez pas de problème à faire. Et ce que moi je voulais renseigner encore, vous voyez le coût ici c'est 85 dollars ou bien 65 euros. Ce que je dis vraiment aux étudiants étrangers, c'est quoi? C'est de pouvoir faire des économies et chercher au moins 2 bourses, 3 bourses pour pouvoir postuler. Parce que le fait d'attendre, si vous attendez à ce qu'il n'y ait pas de frais d'admission dans les universités, vous allez attendre pendant longtemps parce que c'est une politique d'université, vous comprenez? C'est une politique d'université et maintenant chaque université essaie de faire comme ça pour pouvoir au moins renflouer un peu ses comptes, renflouer un peu son projet. Voilà, parce qu'ils ne vont pas examiner vos dossiers gratuitement et tout ça. C'est vrai, peut-être que vous allez postuler et ne pas avoir la bourse ou bien l'admission, mais néanmoins, essayez, vous n'avez vraiment rien à perdre. Donc, essayez au moins de faire des économies pour pouvoir postuler à ces bourses-là. C'est très important. Donc, ici, par exemple, comme ça, donc, si vous venez là, vous avez vu, vous pouvez faire votre demande via le SRAC, le SRAX. Donc, ici, par exemple, ne faites pas. Si vous faites, par exemple, une demande déjà et que vous n'avez pas terminé, sachez que vous ne pouvez plus postuler au cégep parce que, quelle que soit l'université que vous allez choisir, vous allez changer, ils vont vous demander, ils vont vous dire que vous avez déjà cherché à postuler dans une université cégep et que vous n'avez pas payé là-bas. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vraiment avoir de l'argent, ne commencez pas. Parce que si vous commencez et que vous ne finissez pas, vous ne pouvez plus choisir une université cégep pour pouvoir postuler. Vous allez aller choisir des universités classiques. Parce que, quelle que soit l'université que vous allez prendre, ils vont vous rappeler que vous n'avez pas soldé ailleurs, quelque part, dans une université. Voilà, parce que ces cégeps-là, le SRAX, c'est vraiment... ils sont reliés entre eux. Vous comprenez un peu. Voilà, donc, pour l'hiver, on avait dit que c'était déjà terminé. Donc, ce qui est là, c'est l'automne. Donc, l'automne, vous voyez ici, pour les admissions régulières, la date limite, c'est le 15 février. Donc, le conseil que moi, je peux vous donner, soit vous postulez un peu plus rapidement, vous avez... votre admission un peu plus rapidement et ensuite vous allez pouvoir chercher à réunir tous les documents pour aller faire votre dépôt de CAQ et de permis d'études aussi rapidement. Voilà, ça va vraiment vous aider, croyez-moi, c'est pas pure expérience. Donc ici par exemple, si moi je vais faire la demande, je vais cliquer là et puis je vais aller faire la demande, mais nous c'est pas ce qui nous intéresse. Nous on vient juste pour voir comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir avoir la bourse. Et il y a aussi, je voulais rappeler, voilà, il y a aussi une demande ici. Lorsque vous postulez et que vous avez une admission, par exemple, comme ça, la plupart des universités vous demandent d'avoir des tests de langue anglaise, de langue française plutôt. Donc, excusez-moi. Donc, pour ça, c'est pas vraiment un problème. Une fois que vous postulez, qu'on vous demande cela, sachez déjà que l'université elle-même peut faire comme ça des tests à la fin. Lorsque vous avez postulé et que vous êtes admis, vous avez eu votre CAQ, votre permis d'études, l'université va programmer un temps avec lequel vous allez faire le test soit en ligne. Voilà. Vous allez faire avec eux le test en ligne. Et si vous passez votre test,
C'est juste les éléments de base pour savoir vraiment si vous maîtrisez la langue française, pour voir un peu la véracité et tout ça. Donc, si vous passez le test, directement, ils vont essayer d'inclure comme ça votre certificat avec votre admission et vous allez aller étudier rapidement et sans problème. Voilà, donc là, ce n'est pas vraiment un souci. Maintenant, ceux qui ont déjà les tests qui sont ailleurs, qui ont déjà reçu des tests, si je clique là, vous allez voir peut-être les types de tests que vous devez avoir. Ceux qui ont déjà eu ça, voilà, vous pouvez déjà chercher à compléter avec vos documents et puis voilà, c'est tout. Lorsque vous allez avoir une admission comme ça, eux-mêmes ils vont vous dire le test va se dérouler tel jour et tel jour et tel jour. Vous allez prendre cela pour aller postuler. Maintenant, ceux qui ne doivent pas, qui n'ont pas besoin de test, c'est ceux-là, les candidats ayant étudié dans un établissement secondaire au Québec, les candidats ayant complété des études dans un établissement francophone au Québec et candidats ayant étudié en France, en Belgique ou bien Monaco. Candidat ayant étudié dans un lycée français, par exemple, comme ça, si vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous avez étudié dans un lycée français, et si vous cliquez là, vous allez voir les lycées français qui sont vraiment reconnus. Voilà, donc vous allez voir les lycées français qui sont reconnus, et c'est en ce moment-là que vous allez savoir s'ils vont vous demander de faire quoi? De faire encore un test ou pas. Voilà, donc ici, vous pouvez voir les lycées qui sont vraiment recommandés. Si moi je clique sur Côte d'Ivoire, par exemple, le lycée français qui est là-bas. Qui est le lycée français qui est là-bas et qui est vraiment recommandé. Je vais essayer Côte d'Ivoire, Abidjan, le nom de l'établissement. Vous mettez le nom de votre établissement ici. Et ici, c'est possible. Ils vont vous dire, OK, c'est possible. Voici les universités qui sont vraiment reconnues, qui n'ont pas besoin de la langue française pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir postuler. Voilà, vous n'avez pas besoin de passer un test. Voilà, c'est un peu ça. Donc nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on va revenir à notre bourse, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Donc pour l'admission, je vous ai déjà montré comment ça se passe pour l'admission. Donc maintenant, on va, une fois que vous finissez de faire l'admission et tout ça, on va maintenant revenir sur le thème de bourse et puis le coût. Donc ici, par exemple, si je clique là, en ce qui concerne le coût des études, si je viens là, par exemple, vous allez voir combien est-ce que paye un étudiant étranger là-bas, et ce sont des sommes qui sont assez colossales. Et moi, je ne vous conseille pas cela. Voilà, il y a des bourses qui sont vraiment qui existent. Pour ceux qui ne croient pas à ce que des bourses existent, ça n'engage que je vous dis et je le répète, nous avons l'expérience dans ça parce que nous aidons assez d'étudiants à postuler dans ces universités là. Et il y a vraiment des bourses qui existent. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés et que vous voyez que vous pensez que vous ne pouvez pas postuler vous-même, vous pouvez déjà nous contacter inbox, on va essayer de vous aider. Voilà, donc ici par exemple comme ça, si je viens là pour les étudiants internationaux comme ça, vous avez vu un peu la scolarité ici, 6796 dollars. Voilà. Et pour les parties techniques, c'est un peu plus élevé. Il y a les 8000, il y a 8000 par session. Regardez très bien, c'est par session et l'année ça fait 17000 ans. 600 dollars, vous comprenez un peu, c'est assez cher. Si je dois chercher à voir un peu combien ça fait, 17 600 dollars en francs CFA, je vais comme ça essayer dollars en francs CFA. Donc ici je mets dollars en francs CFA, vous voyez un peu. Donc ici je vais mettre ok, ici je vais mettre dollars canadiens ici. Je mets de la canadien et puis on verra combien ça peut faire. Par exemple, donc 17 600, 17 600 dollars, ça fait 1 2 3 1 2 3, ça fait 8 400 000. Vous voyez un peu, 8 400 000 par session, 8 400 000 par année. Si vous devez faire 3 années, vous êtes au moins à 24 000 dollars ou bien 25 000 dollars. Vous voyez que c'est hyper élevé. Voilà, donc moi je ne vous conseille pas cela. Donc ceux qui veulent vraiment postuler, vous pouvez le faire et puis obtenir une bourse. Voilà, maintenant comment est-ce que nous allons faire pour savoir, pour obtenir la bourse, parce qu'il y a des sanctions. Ici, si vous venez par exemple là, il y a des bourses d'exemption du droit de scolarité, c'est-à-dire vous n'allez même pas payer de scolarité. Et il y a des bourses aussi d'excellence, c'est-à-dire quoi, ils vont examiner vos dossiers et si vous avez un bon dossier, la qualité de votre dossier est hyper élevée, il peut vous dire voilà, vous ne payez pas de scolarité, vous venez juste étudier chez nous. Donc ici par exemple comme ça, je vais cliquer là, aide financière, et on va voir un peu
les éléments de bourse que vous pouvez avoir. Donc ici, si je prends ici les étudiants, comme je vous avais dit, les étudiants français, eux, ils ne payent rien. Donc nous, on ne se fixe pas sur ce point là ici. Par exemple, exemption du droit de scolarité, si je clique là, ce programme permet à des étudiants internationaux inscrits à une formation technique menant à un diplôme d'études collégiales d'être exempté de droits de scolarité supplémentaire exigible. Pour soumettre votre candidature, vous devez être admis ou inscrit dans un cégep et le répondant du cégep qui vous fournira le formulaire de candidature. Vous voyez un peu. Et en plus de cela encore, une fois que vous êtes admis, c'est en ce moment là qu'ils vont vous envoyer un élément de candidature pour vous dire ok, voici les bourses qui sont disponibles, alors vous pouvez choisir et puis vous allez postuler. Vous comprenez un peu. Et en savoir plus sur le programme d'études, sur le programme de sanctions du droit de scolarité, je vais essayer de vous montrer un peu de quelques éléments. Donc ici par exemple, comme ça, ici pour 2022-2023, c'est déjà terminé. Donc actuellement, ils vont lancer maintenant 2023-2024. Donc une fois que vous postulez, que vous avez une admission, vous allez voir, ce sont les cégep qui transmettent la candidature de fédération de cégep. Veuillez communiquer rapidement avec les référents de votre cégep pour connaître les critères de sélection du programme. Pour consulter les normes du programme de sanctions du droit de scolarité supplémentaire exigible des étudiants étrangers au niveau collégial, cliquez ici. Maintenant, ce que moi je vais faire, je vais comme ça. Ici, on dit un nombre limité de sanctions étant offert, ce ne sont donc pas tous les candidats éligibles qui pourront en bénéficier. Ça, c'est ce qui est normal. À titre d'étudiant international, vous pourrez bénéficier d'une aide financière grâce au programme des sanctions du droit de scolarité supplémentaire pour étudiants internationaux. Ça, pour être admissible à ce programme, vous devez remplir les critères d'admission ci-dessous, soumettre une candidature en bonne et due forme. Donc ici par exemple, si je choisis ici, on va essayer de voir ensemble pour que au moins vous sachiez que ces éléments là existent, pour que vous puissiez au moins chercher à les postuler, parce que c'est très important et je suis certain que vous pouvez les postuler et les avoir, parce que nous le faisons chaque instant. Donc ici par exemple comme ça, excusez-moi. Le programme permet à des étudiants internationaux d'être exemptés du droit de scolarité supplémentaire exigible des étudiants internationaux dans les cégep et ainsi payer les mêmes droits de scolarité que les étudiants québécois. Vous comprenez? Et ça, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est la loi du gouvernement québécois. C'est la loi du gouvernement canadien. Vous comprenez un peu? Pour pouvoir avoir assez d'étudiants étrangers. Vous comprenez un peu? Et regardez ici, objectif, quel est l'objectif de ça? Le programme des exemptions de droits de scolarité supplémentaire exigible des étudiants internationaux au niveau collégial a pour objectif, excusez-moi, je suis un peu. Donc ici, a pour objectif d'augmenter le nombre d'étudiants internationaux inscrits dans un programme technique en vue d'y obtenir un diplôme collégial technique. Ce programme représente également un moyen de soutenir l'internationalisation des établissements d'enseignement collégial québécois. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un programme qui a été mis en place pour avoir assez d'étudiants internationaux. Seulement, vous devez aller de façon légale. Vous devez postuler normalement pour pouvoir, excusez-moi, pour pouvoir avoir ces bourses-là. Voilà, donc c'est à vous de voir. Sincèrement, comme je le dis, pour ceux qui sont vraiment intéressés, nous suivons des dossiers, nous suivons des candidatures. Donc, vous pouvez nous contacter inbox. Il y a notre lien, notre numéro WhatsApp là-bas. Et surtout ce que je voulais vous demander, essayez de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est très important pour nous. Et puis, essayez aussi de nous soutenir en intégrant notre groupe WhatsApp. Voilà. Donc, vous pouvez lire tout ça, tout ce qui est là. Et il y a un point que je vais souligner pour que vous sachiez un peu de quoi il s'agit. Pour pouvoir être admissible à cette bourse là, regardez très bien ce qui est ici. Pour être admissible au programme, le candidat doit tout d'abord vérifier les critères de sélection déterminés par l'organisme. Pour être admissible et à bénéficier de l'exemption, le candidat doit remplir les conditions suivantes: être admis ou inscrit à temps complet dans un programme de formation technique en vue d'obtenir un DSC technique et tout. Voilà. Donc ici par exemple comme ça, vous devez avoir une admission d'abord. Ne pas être citoyen canadien, donc vous devez être un citoyen étranger. Être détenteur d'un certificat d'acceptation de Québec CAQ pour études émis par le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration au Québec, MIFI. Donc, d'un permis d'études émis par
immigration, réfugiés, ça c'est IRCC. Pour pouvoir avoir un CAQ, c'est sur la plateforme de IRCC que nous faisons tout ça. Voilà. Et une fois que vous avez fini ici, s'engager à réussir le programme auquel il est inscrit. Ok. Et ici, regardez très bien ce qui est là. C'est ce qui est plus important pour moi, ce que je suis en train de vous montrer. Être en mesure de satisfaire aux exigences de capacité financière minimale requise par IRCC selon l'âge et ce par période de 12 mois. Cette exigence d'IRCC pouvant être mise à jour, il parvient à l'étudiant de vérifier cette clause lors du dépôt de son dossier. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous postulez dans une université, vous avez l'admission, vous avez tous les éléments et que vous demandez une bourse, vous comprenez un peu, vous demandez une bourse, ils vont examiner, voir si vous respectez d'abord les conditions, si vous avez un garant et tout ça. C'est-à-dire, malgré que vous allez postuler à une bourse, on vérifie encore si vous avez un garant. Vous comprenez un peu. Voilà, donc ça veut dire que si, par exemple, on vous demande 10 000 $ sur votre compte, vous devez l'avoir 10 000 $. Et même si vous avez une bourse, de toute façon, il ne touche pas votre 10 000 $. Ils ne savent même pas si ce compte existe ou pas. Vous comprenez un peu. Donc, vous devez vraiment respecter cette condition-là avant même de postuler. Parce qu'il y a des étudiants qui m'ont dit, bon, j'ai eu une bourse, voilà, mais quand je pars à l'ambassade pour aller chercher à postuler, on me refuse et tout ça. On vous refuse parce que vous ne respectez pas les conditions d'avoir... Si vous êtes boursier ou pas boursier, ces conditions-là doivent être respectées avant même de postuler à la bourse. Vous comprenez un peu. Voilà, donc c'est un peu ça. Essayez vraiment d'avoir ces éléments. C'est un peu primordial. Et puis, essayez aussi de postuler à la bourse. Voilà, donc les gars, c'était moi le Samuel Spita. C'était juste pour vous montrer un peu comment ça se présente. Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'ils ne voient pas vraiment ce courrier-là sur les plateformes des universités. Voilà, donc quand vous allez sur un site pour aller postuler à une admission, essayez de bien vérifier, essayez de mieux lire et tout ça. Il y a des personnes même que j'envoie des liens, mais qui me redemandent encore où ça se trouve. Les gars, essayez vraiment d'aller sur le site. Maintenant, si vous voulez pas aller et vérifier tout ça et que vous voulez solliciter notre aide, vous voulez solliciter nos services, alors solliciter nos services comme il se doit, ou si je vous envoie le lien, essayez vous-même de postuler. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc les gars, surtout prenez soin de vous, et puis voilà, c'est toujours possible. Si vraiment vous voulez vraiment étudier là-bas, c'est possible, mais faites ça de façon légale. Et si ceux qui demandent nos services, demandez nos services normalement pour qu'on puisse vous aider. Voilà, donc c'était moi de Samuel Spita. Surtout prenez soin de vous, et puis voilà, à plus les gars.